Salut Twitch, salut YouTube, bienvenue dans cet épisode 1 sur ce qui, je l'espère, sera une très 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 longue odyssée et un fil rouge supplémentaire sur cette chaîne en parallèle de No Man's Sky. Est-ce qu'on serait sur le point de dire qu'il y aurait une thématique récurrente sur ma chaîne, à savoir l'univers SF? Il n'y a qu'un pas. Quoi qu'il en soit, c'est avec grand plaisir que je vous accueille et vous invite à suivre ma progression et mon avancée dans le jeu. Alors, pour tout vous dire, à l'épisode précédent, on s'était arrêté juste ici, devant ce que je sais, devant ce cœur minéral là qu'on voit, qui je pense va devenir quelque chose de récurrent, en tout cas dans les phases de minage, le cœur d'un filon. Mais c'est pas ça que je voulais vous dire. Ce que je voulais vous dire, c'est qu'on est à deux doigts d'arriver à l'interface de création du personnage. Alors, moment très très important. 30 minutes quoi? T'es dans le chat, Lady? Non. 30 minutes de pause. Est-ce qu'elle est dans le chat? Des gros bisous à toi, ma Lady, et... C'est bien dommage qu'il n'y ait pas le texte énoncé sur Xbox. Qu'on puisse profiter de tes messages en direct. Une chose de plus dont on se sépare par rapport à la PS5. Est-ce que t'es vraiment là ou est-ce que c'est un reliquat du chat du stream précédent? Ça, je ne sais pas. Fais-moi un check si t'es là. Modératrice à la couronne. Fais-moi un check. Check, check. Non? C'est peut-être un reliquat. Quoi qu'il en soit, on est parti pour la création de personnage. Ah, je vois plein de trucs, oui. Je vois de la matière en suspension déjà. La gravité est altérée ici. Je cherche du minerai. J'ai pas perdu le nord. La pause m'a pas fait oublier qu'il y avait du loot. Il y avait du beryllium encore. Mais oui, plein de beryllium. Bordel de... Moi je loot ça, moi. Bon, c'est pas Lady apparemment qui est dans le chat. Ah, ça se loot pas, ça. C'est bien dommage. Ouais, j'appréhende un peu. J'ai tellement pensé à ce moment-là, à la création du personnage. C'est pour ainsi dire, si je dois être honnête avec vous, c'est la chose principale que j'ai préparée avant de lancer ce live sur Starfield. Et j'espère que les petites features que je vais introduire vous plairont autant que je l'ai imaginé dans mon esprit. Dans les vapes. Pas de blessure physique. Mentalement, ça reste à vérifier. Vous savez qui vous êtes? La nouvelle recrue d'Argos Extractor? Ça vous parle?
Est-ce que ça vous dit quelque chose ? Allez, ça y est, on y est. On va pouvoir profiter de l'interface. Alors, je fais un petit test, mais je pense que... Ça va pas. Ouais, c'est ça, il y a le retour. Alors, je peux couper le son à la limite. Garder le chat. Ouais, c'est le mieux. De toute façon, la vidéo, c'est bon. Par contre, est-ce que je peux mettre ça? Oui, voilà. Tu peux même renseigner des antécédents, c'est ouf, mais faut pas spoiler, dis donc, Mylène. Ça va que je le sais, moi, mais... Oui, bah je vois que t'es renseigné, dis donc, hein. Coquine. Ah, d'accord, mais j'ai pas lu encore, tu sais, je suis sur le retour, là, je suis en train de paramétrer des trucs et de préparer les features. Préparer les features que j'ai préparées, ça fait beaucoup de préparation tout ça. Quoi qu'il en soit, est-ce que t'es prête à ce que je te tease un petit peu ce que j'ai prévu de faire avec ce personnage. Et franchement, je prie du fond du cœur pour que ce soit possible. Let's go. Bah, allez, je te balance un petit trailer, je te balance une petite séquence audio. Et tu me dis si ça te parle. Ne pensez plus à rien. Faites le vide complet dans votre esprit. Nous allons agir directement sur votre subconscient. Atteindre ce qu'il y a au plus profond de votre cerveau. Et vous allez devenir pendant quelque temps celui que vous aimeriez tellement être. Alors, dis-moi, est-ce que t'as entendu? Est-ce que c'était audible au moins? Ah, ça te parle, donc c'était audible. Ah, ça te parle, hein? En tout cas, c'était stylé, hein? Bon, ok, j'en dis pas plus. J'en dis pas plus. Bon, je pense que je peux me mettre le chat uniquement, non? Bon, allez, je vais garder ça comme ça. Ok, ça te parle. Alors, qu'est-ce qu'on a? Argos Extractor, donc ça c'est la société de minage. Ok. Idée biométrique. Corps, visage, antécédents, traits. D'accord, des traits optionnels. Oh, bah c'est bien joli, hein. Les effets de lumière sont bien bien classe. D'accord. Ouais, de base j'aime bien la physiologie du personnage féminin. Il est bien harmonieux. Belle poupette de base. Alors idée biométrique. Données personnelles. Alors combien il y en a? J'imagine que ce sont des assets prédéfinis. Ok, il y en a une quarantaine. Est-ce que de l'un à l'autre on change de sexe? Oui, d'accord. Alors, faudrait que je trouve, j'imagine. Alors, remarque, les données biométriques sont modifiables dans les laboratoires génétiques. Bon, ça c'est du lore, on s'en tape un peu. Ok, donc là on partirait sur une base, donc. Ok. Est-ce que celle-ci peut correspondre à ce que j'ai prévu? Bah, tout à fait. Il se trouve que oui, tout à fait. Ça pourrait très bien convenir, c'est ouf. Ok, donc je garde en mémoire la 39. Est-ce que celle-ci pourrait faire l'affaire? Bon, en tout cas, j'ai besoin de me mettre les images de l'avatar que je vais essayer de recréer sous les yeux. Donc
Je suis désolé, Lady, là, je t'aurais plus en chat. Là, je me mets les petites photos que j'ai prévues. D'ailleurs, il m'en manque une. C'est terrible, ça. Il y en a une que j'ai pas mise dans l'album. J'ai fait ça, j'aurais merdé. Est-ce que j'aurais fait ça? Je vais prendre le temps de checker, après tout, on est entre nous. Ah oui, on dirait bien. Bon, alors je vais m'occuper de la mettre dans le bon album. Hop. Ajouter un album. Et donc dans l'album. Celui-ci. Voilà. Normalement, je devrais pouvoir retrouver ça. Ouais, nickel. Alors. Bah lui aussi il correspond pas mal. Refais voir le 39 pour le coup. Ouais, celui-là serait peut-être mieux, mais vu qu'il y a des histoires d'ethnie, du coup, partirait peut-être plutôt sur celui-là, hein, de base. Même si celui-là fait plutôt le taf, le 37, je le retiens. Ok. Alors, on va pas se priver, hein, je vais vous montrer les presets de base. Déjà, on va en profiter, hein. C'est peut-être la dernière fois qu'on les voit. Voir un peu les gueules qu'ils nous ont fait. Ah, une jeune fille. En tout cas, elle paraît plus jeune. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Pour l'instant, on a des... J'aime bien. C'est hyper varié, putain. Faut savoir qu'ils ont vraiment énormément taffé, je saurais pas vous dire avec une phrase bien construite et en vous donnant beaucoup de détails, mais je sais qu'ils ont beaucoup taffé sur les ethnies. Ils ont fait pas mal de prises de vue de différentes typologies de visages et franchement ça se voit quoi. Elles sont vraiment très très caractéristiques quoi, c'est fort. Ah, le cheveu est bien crépu. Putain, stylé, c'est bien retranscrit. Ok. Ouais, mais on retrouve bien la touche Bethesda, hein. Dans les yeux principalement. Putain, excellent! J'en prends plein les yeux là, ils sont en train de me régaler en ethnie. Mise en veille de la télé, non, pas trop, non. Hop. Ah ouais, les formes de crâne et tout, elles sont bien spécifiques, c'est cool. Oh, t'es joli, toi. Ah, tu vois, tu pourrais bien faire le taf pour mon personnage, si t'étais pas une gonzesse. Est-ce que je peux te changer en homme? Pas du tout, hein. Pas du tout. Oh, le hipster. Oh, ce coquin de hipster. Attends, je vais remettre le chat, des fois que t'as envie d'échanger avec moi. Toutes les ethnies, tous les âges, c'est vraiment bien, ouais, carrément, ouais, c'est comme c'est propre. Il y a des visages bien plats, il y en a qui sont bien bien aquilins. Y a... Ah, un visage mutin, mutin on dit. C'est un peu comme les fées, on appelle ça un visage mutin. Elle est jolie, hein. Les yeux Bethesda, quoi. Stylé, un bon boxeur.
Ouais. Ça, c'est typiquement le personnage que j'avais dans Fallout 3, quoi. Où j'avais essayé de reproduire mon ex. Ouais, c'est typique. La bonne coiffure et tout. L'arête du nez pas bien prononcée. C'est vraiment. Je l'ai rechargé il y a quelques jours, Fallout 3, quand je faisais les tests. Et j'ai vu que j'avais ce personnage. Bah, je sais déjà quel perso je vais prendre. Ah, lequel? Dis-moi, c'est lequel qui t'intéresse? Pour la base. Bah, tu vois, du coup, c'est cool que tu sois là. La rousse, ah bah attends, on n'a pas tout fait encore, hein. Mais la rouquine, ouais. C'était le tour des bains, je crois. Ah voilà. La 22, ouais. Avec les taches de rousseur, ouais. Ah, elle est bien jolie. C'est une bonne base. Elle a quoi encore? Regarde le corps. Ah mais le corps, ça doit être le même. Ça doit être le basique, ouais. Je reconnais bien la shape. Il y a les cheveux qui bougent. Ah, il y a les cheveux qui bougent. Stylé. Ok, donc toi, ce sera le 22. Hein. Et nous, on en était. Et presque à la fin. Hein. Ouais, le boxeur. Alors. Attends, je me remets sur. Je te laisse 2 secondes, je me remets sur mon avatar. Admettons. Je pourrais vraiment tout changer, je pense. Ouais, mais c'est pour l'ethnie, ça. Ça, c'est pour l'ethnie. En fait, le truc de base, c'est l'ethnie. Couleur de cheveux, pilosité, les yeux, couleur des yeux, sourcils, couleur front, nez, oreilles, joues, bouche, dents, mâchoire, menton, cou, bijoux. J'ai pas vu les pommettes. J'ai vu que mâchoire, forme du visage, carré, mince, large. Ah d'accord, il n'y a pas de variateur, c'est plus large, moins large. Ce qui est pas mal en fait. Ah mais il y a peaufiné, genre. Ah si, il y a un variateur, d'accord. Waouh, ok. Je sais pas si ça a gardé le preset d'ailleurs. Quoi, choisir un nouveau modèle de personnage est nul. Oui. Alors. Ok, elle est belle. Est-ce que ça serait pas lui, mon chouchou de base? Cheveux. Voilà, s'il te plaît. Non, le menton et tout, il y a beaucoup de taf. Mais sinon, largeur du visage, c'est ça. Hauteur du sourcil et de l'œil, c'est ça à peu près. L'arête du nez. Le nez, ça va pas du tout. Les pommettes, c'est pas mal. La bouche, c'est pas mal. Le menton, c'est. En vrai, je pense que c'est une bonne base. En vrai. Ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal. Pas dégueu. Ah, basiquement, il est pas mal celui-là. Il a les joues grosses par contre. Il a les grosses joues. Ah mais je suis pas dans l'album là. Non, faut que je retourne dans l'album. Hop. Ouais, l'inclinaison du visage, ça va pas du tout. Et je crois pas avoir vu les pommettes. Forme du visage, genre si je te rends. Ah, il était déjà au plus mince, d'accord. Ah. En le rendant plus large, il devient plus anguleux. Voilà, c'est justement ce qu'il me fallait, plus anguleux. Seulement, les pommettes sont vraiment pas assez larges.
ok, ça joue sur les pommettes. Et les yeux, ça change aussi l'arcade? Ils sont où les yeux? Les yeux. Oui, ça change aussi les arcades. Ok. Alors, est-ce que je devrais pas, dans un premier temps, chercher les yeux? Ça me semble pas con, ça. Si ma tête m'a dit ça, c'est qu'il y a un bail comme ça. Les yeux 11. Les yeux 11 sont pas mal en vrai. Les yeux 7 sont pas mal non plus. Un truc plus équilibré au centre. C'est l'inverse qu'il me faut. C'est plus large vers le nez. C'est celui-là qui est pas mal. C'est le 7. Ouais, c'est le 7. Ouais, il me semble bien que c'est le 7, ouais. Pardon le micro. Ouais, c'est le 7. C'est pas exactement ce que j'aurais voulu, mais c'est le 7 quand même. C'est le 7 ou le 11. Je crois qu'on partirait plutôt sur le 11. Partirait plutôt sur le 11. Ouais, carrément. On partirait plutôt sur un 11. Ok. Après, je sais pas pourquoi je suis parti sur ce visage-là. Alors, faut que je retienne le 11. Tiens, je te reprends. Qu'est-ce que tu m'as dit? Mieux que les Sims, donc. Ah bah, mieux que le dernier Sims, je sais pas, mais ouais. T'es là encore ou pas là? Parce que ça me dit qu'il y a qu'un spectateur et moi, je suis déjà là. Donc ça compte pour un. Si ça se trouve, je parle tout seul. Bon, en tout cas, je retiens le 11. Et alors, la bouche. Est-ce qu'il va se mettre à sourire ou pas? Réduire, augmenter. Oui, t'es là. D'accord. Alignement dentaire. Réduire, augmenter. Oui, il se met à sourire de plus en plus. D'accord. Mais. Type de bouche. Type de bouche. Alors, il me faut un personnage qui sourit beaucoup, 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 beaucoup. Il me faut une babine de petit matou. On n'a pas ça, la babine de petit matou?
Ça serait dommage. Il a le visage tout plat, lui. Attends, on n'y est pas encore. Là, je fais les tests. J'apprends à découvrir ce que le jeu propose en termes de peaufinage. Histoire de préenregistrer dans ma tête les changements que je pourrais induire sur les presets, les pré-réglages. Choisir un nouveau modèle, oui. Ah, ça c'est Stallone, d'accord. Stallone, ou il me fait penser à quelqu'un d'autre aussi. Ah oui, c'est un youtubeur. Sinon, on partirait sur Stallone là. Mais c'est pas cette fois-ci que je ferai Rocky. Non. Alors, allons voir le 11. Non, attends, c'était le combien? 37? Ah, elle est jolie, elle. Ah, j'aime beaucoup. J'aime bien. Bah merde, j'ai oublié le chiffre, tu vois. C'était le combien qui me plaisait bien? C'était lui de base là? Basiquement. Ah, il est pas mal. Ah, de base, il est pas mal. Tout est à peu près bien placé. Le 33. Ah, j'adore ce chiffre. Tu fais chier le jeu. C'est pas toi que j'avais repéré pourtant. Et 39. Ah ouais. Ah. Ah. Après, c'est vraiment une base, mais c'est comme on part d'une base. Elle est pas mal la base là. Si, ben. Non, mais j'avoue, j'hésite. J'avoue, j'hésite. En vrai, je pense que celui qui ressemble le plus au personnage que je veux faire, de base, ça serait peut-être bien celui-là quand même. Donc, admettons, on partirait sur lui alors. On peut faire le type de corps tout de suite, oui. Non, on va se concentrer sur le visage. Que je m'éparpille pas. Le teint de peau, alors. Le teint de peau. Bah, il est bon. Il est bon, mais on va le faire plus bronzé quand même. On va se taper un petit 3. Moi, j'aime les personnages bronzés. Et 4, c'est un peu trop. Faut pas pousser. Si je faisais un Joe, je le mettrais comme ça, peut-être. Mais. Là, on va essayer de rester dans l'équilibre. En vrai, je devrais même mettre un 2, mais je me fais plaisir, je mets un 3. Forme du visage, alors, vas-y, plus mince. On peut pas, plus large, on peut. Ok, c'est vraiment la largeur du visage. Ok, donc ça, c'est cool. Bon, est-ce que j'irai pas tout de suite dans cheveux d'abord? On attaque le gros du sujet tout de suite. Aïe, forme de visage neuf. Forme du visage 5. Celui qui ressemble le plus, là, c'est le 2. Avec un peaufinage en rond. Ok, ouais. Par contre, s'il pouvait arrêter de bouger,
Ça, c'est vraiment un truc qui me gonfle dans les jeux. Ils peuvent pas s'en empêcher, quoi. Avec la bouche en dessous de l'oreille, un peu trop d'ailleurs, mais ouais. Faudrait que je fasse le nez plus haut, du coup la bouche sera trop basse. Parce que la bouche elle remonte hein, au fur et à mesure que je viens ici, ouais. Donc, forme du visage, je vais peut-être pas y toucher pour l'instant. Peut-être mettre un petit peu quand même, mais pas trop. Faudrait que je joue sur l'oreille d'abord. Ok, admettons l'oreille. L'oreille. Oui, mais il faut changer la coiffure d'abord. Putain, je prie pour qu'il y ait la bonne coiffure. Ah là 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 là. Oreille. Oreille, on est sur un. Alors, ah voilà, c'est ça là, d'accord. C'est la 11. C'est la 11. C'est la 11 ou la 1. Alors celle avec gros lobe. Celle avec gros lobe. Ou... ah ouais, elle dépasse beaucoup plus celle-là. Ok. Non, peut-être pas beaucoup plus. Ok. Ah, c'est un peu chauve-souris ça. Ouais. Ouais, mais celle-là aussi elle est un peu chauve-souris. le personnage que je veux faire. La une lui convient bien. Celle-ci est pas mal en vrai. Je vais garder la 11, tiens. Comme ça j'aurai pas la première. Et du coup, elle est bien placée. Ouais. Alors le nez, il va falloir que je le remonte un peu. Admettons. Admettons. Est-ce qu'on partirait pas sur une petite bouche là? Alors. La 3 est pas mal. Ah! Ah oui, non mais petit bec de lièvre là. Ça va pas du tout ça. Alignement dentaire change quoi? Ah voilà, d'accord. Ah oui, mais c'est un problème ça. Alors non. On va pas prendre la 3 alors. D'accord, et ça garde les enregistrements au fur et à mesure. Ça c'est bien. Oula, non. Non. Peut-être. Est-ce que...
Et merde. Eh oui, mais non. C'est ce qu'il me faut, mais. Mais par contre, c'est pas bon là. C'est quoi cette énorme bouche? Ah, mais il a une immense babine, le personnage que je veux faire. Bon, alors. Ok, alors admettons qu'on fasse ça, il faudrait donc aller dans le nez maintenant. Histoire de voir un petit peu. Eh, mais l'air de rien, j'ai pas pu toucher à la hauteur de la bouche, hein. Ah, je vais être limité, je sais pas si je vais pouvoir faire le personnage que je veux. Ah putain, dites-moi qu'il y a son pif! Oh non, déconnez pas. Non, déconnez pas avec moi. Oh putain. Ah, ça serait le 2 alors. Ah oui, mais non. Ah non, vous vous foutez de ma gueule. Ah non, déconnez pas avec moi. Ah non, déconnez pas. La 2 ou la 11 alors? Ouais, mais la 2, c'est un délire. C'est. C'est un délire. Qu'est-ce que tu dis? T'as dit quoi depuis tout à l'heure? 11 aussi pour les oreilles, 11 pour les yeux. Ah. Bah ouais. Peut-être qu'ils ont taffé pas comme ça en plus, hein. Parce que là, je sais pas si je pourrais peaufiner les narines autant que ça, non? Narine, arrête. Quoi? Mélange des formes. Oula! C'est quoi ça? Oula, ça me fait flipper ça. Je vais pas y toucher. Mélange des formes. J'y touche pas pour l'instant. Genre, narine externe. Voilà. C'est un peu mieux. Narine au bas. Ok. Et ben on partirait sur un narine bas, moi. Voilà. Court long. Merde. Court long. Pointe bas haut. Voilà. On serait plus sur ça, ouais. Ouais. Encore ou pas? C'est non. Ok, donc là c'est. Faut pas abuser quoi. Partirait plutôt ouais, sur ça. Narine, hauteur, au bas. Peut-être un peu plus bas quand même. Ouais, mais là, elles sont tellement larges. Largeur. Largeur narine. Je suis au minimum, c'est ça? Eh oui. Ah, ça va être un souci, ça, je pense. On va pas partir sur ce nez arrière-avant. Ouais, ça, c'est bien. Ouais, c'est l'arête du nez, ouais. Elle était bien comme elle était. Ah, étroit large, fais voir un peu. Ouais, on retrouve un semblant de nez normal. Ça, on y a touché déjà. Ça, on n'y a pas touché. Ouais, plus fine. Ah, et plus basse. Ah oui, d'accord. Ok, je capte. C'est pas mal en vrai, c'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Mais bon, les narines sont hyper larges. Alors, pas le 2, mais le. Attends, il y en a un qui m'a plu là. Ah. Oh, je crois que je partirai sur 11. Ok, peaufiné. Casse-toi le moucheron, salopard. Arête interne, large, pas large. La largeur est bonne. C'est quoi? Je vois rien là. Ah, c'est la hauteur ça. Ouais, donc on partirait sur plutôt comme ça, ouais, carrément même. Après ça, de profil ça change pas grand chose. Et là, on la peaufinera tout à l'heure, mais
pense que plutôt large. Et la longueur du nez, voilà, court long. Ouais. Ah, ça va pas, la pointe haut, bas, bas. Ah, voilà. Bah. Ah non. Ouais, mais par contre, comment j'incline pointe au bas là? C'est ça? Oui, plus bas. Plus bas, mais étroit large avant arrière. Ah, le problème, c'est que la bouche elle prend cher après. Faut rester équilibré sur la bouche. Et oui, ça fait bien le taf, mais après, putain. C'est pas mal, mais il y a juste le nez qui. Les narines qui remontent trop. Enfin. Pourquoi il y a un œuf là? C'est quoi ça? Ah! Ok. Non.
Mais merde. Ah, ça c'est pas mal ça. Ok, mais par contre ça a remonté le nez encore, non? J'arrive pas à redescendre ce putain de blaire là. Ah. Ah oui mais... Oui, ok mais... C'est gonflement des naseaux quoi. Ah bah là aussi tiens. Ah oui ok. Ça va pas du tout! Ça va pas du tout le 11! Faudrait le remettre à 0 maintenant que je l'ai bien dégagé. Ça va pas du tout le 11! Pas si facile que ça à faire ce blaire. Hein. Bon. On va peut-être partir sur un autre que le 11 alors. Maintenant que j'ai un peu mis en tête ce qui est possible de faire. Tirer peut-être sur un 3 ou sur un 2 déjà de base qui ressemble beaucoup à ce qu'on venait déjà de faire là. Bah oui, il ressemble beaucoup à ce qu'on venait de faire. Mais il a plein de presets de changer déjà. C'est bizarre ça. Ah, j'avais déjà touché au 2 et au 1 aussi. Ah, d'accord. Sur le 2 pour voir. Il y a déjà pas mal de bases. Ah, pas mal. Ah, ok. Non. C'est bizarre, c'était vachement bien avant là. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Oui, voilà. Non. Non. Ah mais merde, ça m'a changé le 2. Comment ça se fait que ça me change? Ah mais d'accord. J'étais tellement focus sur le visage à droite que j'avais même pas vu que quand tu t'agissais sur un potard, ça touchait les autres. Bah c'est bizarre, attends. Ou alors c'est mon stick qui joue là. Ok, ça élargit beaucoup les narines, mais...
Et merde! Casse la tête, toi! Ah, ça commence à être pas dégueu. Putain, arrête de bouger, enfoiré! Il me donne la nausée, ce con! J'avais pas besoin que tu me fasses une bosse sur le 8. Donc 2 et 5 au centre. Si je dis pas de conneries. Non, c'était pas ça. C'était le 5 ou le 6? Ah, je sais plus, putain. Faut que je sois attentif. Hein. Malgré l'heure tardive, faut que je fasse gaffe. Hein. Faut que je fasse gaffe, putain. Ça, c'est... Bon, le 2 c'est sûr. 1, 2, 3. Donc le 8 j'y touche pas. Le 2 je le remets. Je garde le 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On serait pas un moutmout. On pourrait se faire un moutmout, hein. J'avoue. Ouais, on va se faire un moutmout, je crois, entre le 2 et le 6. Entre le 2 et le 7. Voilà. On touche pas au 8, alors le 9. Fait quoi? Ah, il redresse. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai peut-être besoin de ça. Alors attends. 2, 7, hop, moutemout, et un peu du 9 alors. Ah, fais voir. Je vois pas la différence, putain. Je vais remettre. Hop. Hey. Hey. je suis moutmout là. Voilà, là je suis moutmout. Et il est pas encore assez en trompette sonné. Est-ce que là je trompette là? Ah, ça remonte. Ouais, mais on n'a pas envie que ça remonte. Bah, du coup, on n'y touche pas. Donc, on partirait sur 2-7 moutmout. Ah, il est où le moutmout? Je suis même pas sûr. Ok. Et alors, après, on jouerait. Donc, on commencerait par. Ce serait quoi qui irait pas? La longueur du nez, elle est bonne. Ce serait l'inclinaison en fait, juste l'arrondi et un peu plus
un peu plus plat l'inclinaison des narines. Déjà, on peut toucher à large tout ça. Bah, large, ça me paraît bien. Après, il y a un monde où on l'élargit un peu. Ça change quoi de profil? Pas grand-chose en vrai. Et on peut lui mettre plus large, oui. On va lui mettre plus large. 2, 3. Ça, j'y ai touché déjà. Merde. Ah. Ouais, mais ça rend le nez plat à l'avant. Il m'en fout à danser comme ça. Hein. Bon. Narine intérieure, extérieure. Ça y a pas de doute, cours long. Oui, mais non, quoi. Ah, pas mal. Pas mal, ça. Ah, on est sur un truc pas mal. Faudrait que je puisse l'arrondir un peu. Et trois larges, quoi. On est au minimum, là. Ah, les narines. Non, c'était déjà bien. Arrière avant. On est au milieu. On va peut-être aller en arrière. Ah. 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 On est en train de choper quelque chose. Est-ce que je retourne ici, là? Ah, ça monte les sourcils aussi. Ah, c'est pas mal. Et ça m'a agrandi le pif aussi. Ouais, mais ça me casse l'arête arrondie que je veux. Ok. Je garderai peut-être le 2 alors. Et alors, longueur, court long, chute au max. Pointe au bas. Ah ouais. Pointe au bas, étroit large. Il est sur étroit. A trop de narines par contre. Hein. Arrière-avant. Pas mal, pas mal, pas mal. Je suis plutôt satisfait. On va partir sur ça pour l'instant. Les oreilles, du coup, j'ai un doute. Je crois qu'on va partir sur 1. Alors, la hauteur.
Il faudrait qu'elle tombe pile sous le nez, ce qui est à peu près le cas ici. Elle tombe exactement au même endroit. D'accord. Quelle est vraiment la grosse différence entre les deux? Elles ont quasiment le même lobe. Celui-là est un peu plus creusé, me semble. Le pavillon qui change. Pavillon, ouais. Ah, je vois pas d'énorme différence entre les deux là. Peut-être garder ça là, elle me paraît plus. Plus haute, non? Celle-là est plus en arrière, d'accord. Peut-être garder celle-là alors. Celle-là me paraît plus droite, plus haute, ouais. Plus arrondie. Ouais. Mais il y a du peaufinage sur l'oreille. Ah! Ok, et je sais pas si c'est le moment de faire du peaufinage d'oreille, moi. Aïe 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 aïe. Avant de faire du peaufinage d'oreille, on va peut-être s'occuper de la mâchoire, de la bouche. Ouais. Alors, bouche, on est sur 6 pour l'instant. Ah, la 9. On aurait une bouche en neuf alors. Une bouche en neuf. C'est quoi ça, bas haut? Ah oui, bas haut. Ouais, mais bas haut. Droite pour de bon. Ah. Les mecs, réduire augmenter. Ouais, mais elle est pas bien large ta babine, hein. Aïe aïe aïe, Bethesda. Ah, ah Bethesda. Mélange des formes. Je la veux plus large. La plus large possible. Non. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais, Bethesda là? Oui. Oui, il sourit plus là. Là, il sourit moins. Ok. Ah. Ah. Pas mal ça. Oui, mais ça m'a enlevé le 2. Un moutemout alors, encore. En 2-5. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Oh putain, ça prend forme. Fais voir un peu. Oh, elle grandit pas beaucoup, beaucoup. En fait, je mets le 5 à fond et après je joue sur le 2 alors. Ah, ça change pas vraiment l'arrondi. Hein.
dit était trop balèze en fait. L'arrondi, il était trop balèze. Si je mets là et... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit.
Les dents? Ah, pas possible. Alors là, j'ai pas de photo de des dents du personnage. Ok. Bon bah tant mieux. On va partir sur. Je sais pas, c'est bien. C'est très blanc ça, non? Peut-être partir sur un peu moins blanc. Hein. Un peu moins blanc. Allez. C'est très très blanc ça. Mâchoire.
Ah mais il a disparu le putain de renflement de merde là. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? J'ai dû toucher un... Il devait y avoir un preset déjà de base. J'y ai touché sans faire gaffe. Putain, c'est pas le moment de faire des conneries. Pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Là, vous pourriez déjà. Si vous étiez complètement connecté, vous pourriez déjà vous faire une idée du personnage que je suis en train de faire. C'est un peu chaud, mais. Il y a un monde où vous pouvez deviner. Lady, je pense qu'on l'a perdu, non? Je ne sais pas. En tout cas, la bouche qui est pas du tout assez large, ça, c'est un vrai problème. De bouche, je la vois même pas. Bouche, on est sur la bouche 8, ouais.
Oh là là, c'est encore mieux. Oh là là, magnifique. Oh là 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 là. Il me faut la mâchoire plus large. Il me faut la mâchoire plus large. Un peu. Pas sûr. Menton plus court. Menton un peu plus court. Menton plus court. Menton plus court. Oh merde, j'ai touché à tout, oh là là.
Ah, débarre. Hein? Non! Non! Ah, je sais plus. Le 9, non? Le 9, je crois, oui. Couleur des bijoux, ouais. Dermesthétique, qu'est-ce que c'est ça? Ah! Genre le marquage de la peau, quoi. Ah ouais. Oh là là là. Oh, tu sais quoi? Je reviens. Je reviens dès. À de suite. De retour. Alors, basiquement, nativement, le personnage que je veux faire, qui vient d'un animé, n'a strictement rien au niveau du derme. Couleur de peau, on était sur 4. Ah ouais. Eh oui. C'était pas mal. Ah, la 5 est pas mal aussi. La 5, je pense, intensité. Ouais, pas mal. Défaut de peau. Ah, les cernes et tout et tout.
forme faciale, c'est-à-dire. Oh là là, oh là là, oh là là, eh. Non, non, et tu me changes pas la forme du visage, hein? Ah non, j'y touche pas. Ah non, non, forme faciale, 1. 1, 10, c'est-à-dire. Intensité. Oh là là là, ça me fait peur, ça. Oh putain. Oh non, non. Ah non, j'ai trop peur, j'y touche pas. Ah, j'y touche pas, j'y touche pas, je touche à rien. Visage plus fin, plus large, plus mince, plus rond, plus carré, on verra ça à la fin. Cheveux, vas-y, c'est le moment là, non? Allez, sourcils d'abord. Putain, pilosité, pas de pilosité. Voilà. Pas de pilosité. Ou alors la plus légère possible. Ah non, c'est là, hein. Ah oui, ça change un peu, hein. T'étais mieux avec la barbiche, bon, t'es comme ça, t'es comme ça. Ce menton qui est pas parfait, hein, qui m'emmerde un peu, toujours, mais bon. Sourcils, on a dit. Histoire d'avancer un petit peu. Sourcils, on est sur le 9. Sourcils, il nous faut un sourcil très très long. En vague et plutôt remonté. Long, en vague et remonté. Long, en vague et remonté. Genre le 9 était très bien en fait. Ah, plus long avec le 8. Plus long, mais aussi moins en pointe. Quand il rejoint l'arête du nez. Non. Non. Avec le 4, on tient quelque chose, mais par rapport au 8, moins long. Hein. C'était pas mal le 4. Le 3 aussi est pas mal. Ok, ça joue entre le 3, bas haut, arrière avant et 3 large. Ça joue entre le 3, le 4. Mais je vais pas prendre le 4. Entre le 4 et le 8 donc. Ah, le 8 est pas dégueu.
Pardon, le micro. Bas haut, plus haut. Bienvenue à toi, viewer de l'ombre. Ok, je retourne sur les sourcils. Donc je les ai bien choisis. Maintenant, arrière-avant, ça j'avais fait aussi, non?
Alors, le front. Figurez-vous, pour ce personnage, je n'ai aucune idée du front qu'il faut mettre. Le 6 me paraît pas mal. Le 5, ouais. Et 3 larges. Faudrait que je m'en rappelle le front, faudrait que j'y revienne plus tard. Les oreilles, on est sur la 11. Bas, haut. Ah, bah, plus haut alors. Plus haut, je pense. Alors figurez-vous que ce personnage que j'essaye de reproduire a soit les yeux bleu clair, soit les yeux bleu vert, soit les yeux verts, soit les yeux noirs. C'est un délire, non? Donc je sais pas si on va pas partir sur celle-ci qui me plaît beaucoup. Parce qu'on tape pas les marrons, ça c'est clair, mais un espèce de marron gris, ça lui va bien je trouve. Parce que les yeux bleus... S'il y avait bleu vert, bah ça serait ça alors bleu vert, ok. Eh oui. Quoi qu'il y a bleu là aussi. Là c'est blond, là c'est bleu clair. Là c'est bleu vert. Ah mais normalement il a les yeux bleus. Enfin, bleu vert quoi. Bleu vert. Quoi, qu'est-ce que j'ai fait là? Yeux. Ah oui, alors les yeux, j'ai même pas. Si, mais j'avais choisi les yeux. Et j'avais pas trouvé mieux que ça alors. Putain, ça me trouble le cul quoi. Pour de bon. Putain.
Ah putain, est-ce que c'est le moment d'enfin tester la coiffure? Ah là là, j'ai trop peur. Couleur de la pilosité, ouais, on est bon. Ah, j'ai trop peur, putain. C'est parti. Vas-y, Bethesda, s'il te plaît. Te fous pas de moi, Bethesda. Je t'en supplie. Elle est tellement d'actualité, cette coiffure, en plus. S'il te plaît, Bethesda. Je saurais pas quoi faire si tu me... Si tu me donnes pas ça. Oh putain, je commence à flipper. Oh là là. 34 à la limite. Ok. À la limite. Non. Ouais, 40 à la limite, oui. Ça va, Bethesda, on amortit. Oui, bon, d'accord. Oui, on a quelque chose, Bethesda. Ok, j'ai peur. On a quelque chose entre ça et l'autre. Bon, on va faire couleur, alors. I7. Ok, c'est 17. Jeune poussin. Into 40. Attention. Oh. C'est un peu Patrick Swayze en même temps. Non, la télé, tu t'éteins pas. Bon, bah, je vous présente ma version de Cobra. Oh merde, bon, on va tenter de l'améliorer un chouille. Ah. Putain, ça lui cache les yeux et tout, je suis dégoûté. Y a pas la coiffure de Cobra. Putain de merde. J'hallucine. Oh merde. Alors, ouais, pardon, j'ai checké un truc sur le portable. Y a pas un petit zoom arrière là? Non. Oui, y a celui-là aussi, mais on dirait à moitié un elfe. C'est Cobra là, cet elfe. Y a pas les roues plaquettes. Ah, il est plus là quand même. J'en sais rien. Où il est, Cobra? Et où il est, mon Cobra? Il est là. Ah, il est quand même plus là en mode Patrick Swayze. Ah, il est un peu entre les deux en fait. Cobra existe entre ces deux coiffures. Bon, je pense qu'on va partir sur celle-là quand même. On va falloir assurer sur le reste. Aïe aïe aïe. C'est un peu la débandade. Qu'est-ce que je peux faire pour tes yeux, mon petit? Eh, t'étais mieux chauve en fait. Hein. C'est terrible. T'étais mieux chauve. Attends, tu sais quoi? Je vais te remettre chauve. Et refaire un tour pour être sûr. Alors, Cobra avec un poupou. Oh bah là, il ressemblait tellement, mais putain. Ouais, et Cobra qui va à l'école, quoi. Il manque un truc pour que ça soit Cobra quand même. C'est quoi la largeur du visage? Ça doit être la largeur du visage aussi. Et j'avais dit que je revenais sur le front aussi.
On verra ça quand on aura la coiffure, le front. Joue. Augmenter. Ah, y a un truc qui va pas. C'est quoi, c'est les yeux alors? Putain, faut que je leur mette sa coiffure de merde. Ah quoi, non, non, t'es blond, t'es blond. T'es blond, t'es blond. Ah, mais y a pas à tortiller du cul, hein. Oh, ça fera l'affaire. Remarque, ça me fait marrer. Il ressemble un peu mais pas trop. C'est Cobra Swayze. Ah, ils sont pas mal les 7 en fait. Moi j'étais sur quoi? Sur 8? Je sais même plus du coup. Moi j'étais sur 8. Avec une réduction. Ok. 7 alors? Ouais, 7. Ah, c'est pas mal 7. Avec l'œil plus centré alors. Elle est trop large. C'est-à-dire.
Ah, mais en fait, c'est mieux. Ces yeux-là, ils sont mieux, en fait. Ok. Non, pardon. Étroit, large. Ça avance, hein. Je perds pas. Je perds pas courage. J'ai les yeux explosés par le fond blanc en plus. C'est un régal. Front, on a dit. Front, front. Alors. 3. Ouais, mais j'étais sur quoi avant? Moi, sur le 7, non? Ou le 8. Ah, je vais mettre le 8. Alors je peux mettre le 10 aussi. Plutôt le 8, hein. On sait jamais. Ça, on va y toucher après. On remet les cheveux.
t'en es en train de changer la coiffure, quoi. Ouais, mais si je fais ça, j'espère qu'ils vont pas lui raser les cheveux après, hein. Ça serait terrible. Ok, et trois larges. Ok, admettons. Il va avoir les cheveux un peu. Ouais, ça lui fait un sacré fond. Hein. S'il lui rase la tête à un moment dans le jeu, je vais péter un plomb. Aïe, 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 aïe. En plus, ça doit lui changer le regard quand même, ces conneries. Ah oui, un peu. Hein. Voilà, je vais mettre comme ça suffira. Plante pas la console, hein. Reste cool, on y est presque là. Ah oui, ça ressemble vraiment à Cobra. Hein. Incroyable. Ça ressemble vraiment à Cobra. La bouche un peu plus haute peut-être. La bouche un petit peu plus. Non. C'est peut-être. C'est la babine inférieure qui est pas assez épaisse, mais putain, je peux rien y faire quoi. Ah. Au bas, elle est déjà le plus haut que je peux. Gauche droite, réduire alignement. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3. Un, deux, trois, quatre, cinq, six. Pas mal. Ok. Vas-y, souris, Cobra. Oh ok. Ouais, je trouve ça pas mal aussi. À certains moments, je combats les troupes ennemies.
Je suis invincible. Énorme. Oh, tu sais quoi, Twitch? On est bien là, on est tout seul. On est bien, on est bien. Je suis invincible, oui. J'espère que je peux changer la taille, hein. Sinon, je vais péter un plomb, hein, si je peux pas être plus grand. Oula! Qu'est-ce que j'ai fait? Non, non, déconne pas! C'est quoi ça? RS, rotation, qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi ça? LS, RS, non, attends, j'ai un doute là. RT. Oh merde. Ça fait quoi ça? Ah, c'est juste mettre la tenue quoi. Ok. Mais c'est écrit nulle part ça. Ok. Bon. M'a fait flipper. Dites-moi que je peux changer la taille là, c'est en train de me gaver. Oh là. Quoi? Oh cette gueule. Non, non, on reste un homme. À quoi? Oui, voilà, non. Le cisgenre hétéro binaire de base. Hein. S'il vous plaît. Enfin, de base. Ça reste qu'au bras. Hein. Teint de peau? On l'a déjà fait, le teint de peau. Pourquoi tu me reposes le teint de peau, toi? Non, non, c'était bien ça. Y a rien d'autre. Ah, je peux pas le grandir. Ah, je suis dégoûté. Je peux juste le faire plus stock, quoi. Plus large. Genre là il est idéal en fait. Si tu le baisses il devient ouais, plus large. C'est bien qu'il ait la taille un peu marquée. Il a la taille plus marquée. Hop, plus athlétique. Ouais, histoire que ça le grandisse un peu quoi. Là il est pas mal. Ouais, je vois où c'est. Faire la différence. Donc on est là et... Ouais, plus costaud. C'est pas mal. Plus costaud. Et si je te fais un peu plus mince? Fais voir quand on tape dans le plus mince là. Ce cobra il est super élancé tellement il est grand. Ah, peut-être au milieu alors. Ouais. Je sais pas quoi en penser hein, de ce Patrick Choisy de l'espace. Il y avait de fortes chances que ça foire ces conneries. Alors pourtant j'y ai cru. Mais et de profil il ressemble énormément. Hein. De profil. Là là, c'est Cobra tout craché. Et bah là un peu moins quoi. Normal, c'est pas un dessin animé le truc, hein. Mais j'avais espoir qu'il ressemble un peu plus quand même. C'est quoi qui pêche? Bah la bouche qui est pas assez grande. Faudrait qu'elle soit beaucoup plus large encore. Et puis l'œil, ben c'est pas le même quoi.
D'ailleurs, là, finalement, j'ai remis le 7 ou le 8. Le 8, ah. Il est pas mal le 7 aussi, hein. Ah oui, mais il ressemble 10 fois plus avec le 8. Ouais, y a pas photo. Y a pas photo, je pourrais pas faire mieux, je pense. Sauf si je trouvais une bouche immense, mais je sais que j'ai fait 1000 fois le truc. Bon, bah on passera notre temps à chercher cet angle-là, hein. Voilà, là on aura Cobra à chaque fois, à peu près. Après, oui, il y a l'autre coiffure là, mais elle est trop courte. Me dis pas que c'est ça quand même. Si, c'est ça en plus. Ah non, c'est impossible. Oh putain. Ils ont pas pensé à mettre des rouflaquettes. J'espère qu'il y aura des mecs qui font le mode avec la coiffure de Cobra, quoi. Oh putain, c'est dur ce que vous me faites. Ah ouais. C'est dur, c'est dur. Non, mais on y est. On y est. Est-ce que peut-être la couleur des sourcils, est-ce que... Ouais, parce qu'on les voit plus ces sourcils du coup là. On les voit plus alors que normalement on les voit bien 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 ces sourcils. Ouais, parce que sinon ils se confondent avec les cheveux, donc ouais, ça c'est mieux ça. À partir sur ça, oui. Ok. Bah le corps, hein, je crois y a pas à réfléchir 1000 ans. Je peux pas toucher à sa taille ni rien, donc ouais, plus athlétique, mais plus mince alors. Ah, mais là, t'es large de bassin, mon gars.
Ah là, il est pas mal là. Je crois que je vais le garder là. Ok, la démarche s'est validée, hein. Normalement, il a un petit cul, hein. Cobra. Et là, il a jamais de petit cul, là. Oh, il a toujours son boule bien large, là. C'était où que j'étais, moi? Je crois que j'étais là, moi. Allez mon petit cobra. C'est quoi ce perso, putain? J'ai pas du tout fait cobra. Je suis dégoûté de profil, oui. J'ai fait cobra de profil. Putain, j'hallucine. J'aurais dû prévoir, mais ça m'aurait pris trop de taf. J'aurais dû prévoir plein d'autres persos. Genre, j'aurais pu faire Marty, peut-être Marty dans... Dans Retour vers le futur, j'aurais pu faire. Comment il s'appelle? Je crois qu'il s'appelle. Oui, Cooper dans Interstellar. Ça aurait été super. Mais putain, il ressemble trop de profil, j'hallucine. Tout ça pour une histoire de coiffure. Bon, antécédent. Quoi, il y a tout ça? Waouh! Waouh! Waouh, je crois que je vais couper ici déjà. Pour cet épisode, il y a moyen que je sache à combien on en est là? 167 minutes, oh l'enculé! Eh ben, ouais, ça fait 3 heures! Ouais, on va couper ici, puis je vais relancer dans la foulée. Je vais faire une petite pause. Hein. Merci à vous, spectateurs de l'ombre. Hein. Vous êtes deux, je sais pas ce que vous foutez là. En tout cas, je sais pas, il vous plaît mon cobra? Regardez, là c'est Cobra, hein. Le corsaire de l'espace. Mixé avec la coiffure à Patrick Swayze. Merci à vous et à bientôt pour la suite de la création de ce personnage.